Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online, quelques petites informations sur GTA V Next Gen qui m'ont été données par des abonnés qui avaient réussi à avoir le jeu, les petits vénards. Donc c'est parti, tout d'abord regardez ici une petite originalité sur la PS4, regardez quand vous avez un personnage en mode histoire, donc là par exemple Franklin, bah la manette s'illumine aux couleurs de ce personnage, donc là Franklin vous pouvez le voir que la manette s'illumine en vert. Ici Michael, regardez, la manette s'illumine en bleu, donc Trevor à mon avis ça sera en orange, mais j'ai pas pu vous mettre la photo, malheureusement les personnes n'avaient pas avancé assez pour avoir Trevor dans le jeu. Et ici regardez une petite vidéo où quand vous êtes suivi par les flics, regardez, la manette clignote en bleu et orange, donc bleu et rouge, ce qui est vraiment stylé. Donc déjà pour cette petite information, je voulais remercier Cédric du 45 et Sinbot HD, donc vraiment merci à vous pour ces petites infos. Donc ensuite on va parler des néons, donc les néons vous pourrez les placer un peu partout sur le véhicule, donc à l'avant ça coûte 1000$, à l'arrière ça coûte 1000$, sur les côtés 1250$, à l'avant et à l'arrière 1800$, à l'avant et sur les côtés 2000$, à l'arrière et sur les côtés 2000$, et partout donc à l'avant, à l'arrière et sur les côtés 3000$. Donc ça va, on va dire que les prix sont raisonnables, mais c'est des prix qui sont dans le... c'est des prix du mode histoire, donc attendez-vous peut-être à ce que ça soit un peu plus cher en mode online. Ensuite ici pour les couleurs des néons, on a 14 couleurs, donc ici je crois que j'en vois qu'une dizaine. On a le blanc, le bleu électrique, le vert menthe, le vert lime, le jaune, fièvre jaune, orange, rouge et rose bonbon. Donc il y en a encore d'autres que je ne peux pas voir sur l'image, donc j'ai pas eu plus d'informations que ça. Donc ensuite c'est une information de Blues Up qui m'a envoyé un petit screen sur Twitter, donc je vous mettrai les liens dans la description, et qui m'a dit nouvelle cheminée dans l'appartement à 400 000, donc si vous voulez aller voir dans la description, je vous ai mis le petit lien du post Twitter pour que vous voyez la photo. Ensuite j'ai pu parler à des personnes qui avaient le jeu, donc là je vais faire une petite dédicace à KZX et Cynotbot, et ils m'ont dit franchement ils étaient vraiment bluffés, donc tellement que c'était réaliste, la vue à la première personne, ils ont joué pas mal de temps au jeu, et en fait cette vue à la première personne tellement que c'est bien fait, ça leur a même on va dire fait un peu mal au crâne et aux yeux. Donc par exemple quand ils faisaient les roulades, vous savez quand vous visez et que vous appuyez, je crois que c'est sur la touche carré, vous faites une petite roulade du côté, et ben par exemple même là quand vous faites la roulade avec la vue à la première personne, ça fait vraiment un truc bizarre. Il est tellement fluide aussi pareil qu'en première personne, quand vous jouez vraiment longtemps, ils m'ont dit que ça faisait un peu mal aux yeux. Donc je vais voir ça quand je pourrai le test. Ensuite on m'a aussi dit qu'aux alentours des LS Custom dans la rue, on pourrait trouver des véhicules qui étaient déjà custom. Donc ça va être pas mal pour les glitchs où on rentre les véhicules de la rue. Au moins même Rockstar nous tend une petite perche en fait, il nous permet de rentrer des véhicules dans notre garage qui sont déjà équipés, ce qui est vraiment magnifique. Ensuite on m'a aussi dit qu'avec la vue à la première personne, vous aurez deux modes de vue, enfin deux modes de visée on va dire. Une où vous aurez votre arme qui vise légèrement en visée solide on va dire, et une où vous pourrez vraiment viser dans le réticule, donc ça aussi ça sera à vous de choisir. Ensuite ici j'ai une autre nouveauté donc qui m'a été donnée par la salle. C'est Rockstar en fait qui répond à une question sur leur support. Une personne leur demande si les activités qui ont déjà été créées, si elles seront transférées sur les nouvelles plateformes. Et là on lui répond oui, toutes les activités publiées sur GTA Online depuis l'éditeur sont transférées pour que vous puissiez continuer à en profiter sur les nouvelles plateformes. En revanche, les classements photos Snapmatic, listes favoris sont spécifiques à la génération de la plateforme sur laquelle vous les avez créées et ne seront donc pas transférables. Donc petit point positif, toutes les activités qu'on a pu vous présenter dans les activités What the Fuck seront sur les Next Gen. Par contre, les classements et les listes favoris et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, par exemple, si vous voulez refaire les activités What the Fuck qu'on vous a proposées, faudra retourner sur la vidéo, retourner dans la description et les remettre en fait sur la plateforme Next Gen. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ces informations vous auront plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci vraiment à toutes ces personnes qui m'ont envoyé donc ces nouveautés sur Twitter ou alors sur Skype. C'est vraiment gentil de leur part. Et voilà, moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.